Bonjour, je m'appelle François Jolin, je suis interne d'anesthésie-réanimation et mathématicien et président du groupe d'intérêt pour le facteur humain en santé. Pour cette vidéo des enfants du facteur, j'ai le plaisir de vous présenter ce livre, Les techniques d'optimisation du potentiel, qui a été écrit par Edith Perropierre, médecin-chef au service de santé des armées et également médecin du sport. Les soignants sont souvent confrontés au stress et à la fatigue, parfois de manière prévisible, comme par exemple dans une intervention chirurgicale qui peut prendre du temps ou qui peut s'avérer complexe avec un malade potentiellement fragile. Ce livre propose des techniques d'optimisation du potentiel. Mais qu'est-ce que c'est ? En fait, ces techniques sont simples, très pragmatiques, brèves, utilisables par tous, partout et en toutes circonstances. Elles consistent en savoir gérer son stress, savoir gérer sa fatigue, son niveau d'activation tout au long de la journée en fonction de ses besoins et de ses contraintes, à travers la relaxation, la respiration, de l'imagerie mentale. Ce livre me paraît être important, il est utilisé depuis longtemps dans l'armée et par les sportifs de haut niveau. Les soignants sont souvent considérés comme des sportifs de haut niveau. Et ce livre, ces techniques, peuvent nous permettre de mieux intégrer le facteur humain dans nos pratiques.